Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se rend au championnat de France Endurokid pour la finale à Ambert. Tout simplement parce que, comme vous le savez, je travaille pour Outsider, donc la marque de tenue que je porte. Et du coup, il y a la Outsider Academy. C'est en gros 5 pilotes qui ont été sélectionnés tout simplement pour représenter Outsider sur ce championnat. Donc on va aller les voir. Je vais vous faire partager un petit peu la journée. Et vous allez voir, ça va être super cool et ça envoie sévère. Ils roulent, mais un truc de fou. Centre de repas est spécial. Et voilà. On y est. Ça va Greg? Ça va? La forme? Et toi? Bah ouais, très bien. J'ai 3. Ça a donné quoi? 3. Bien. Ça va? La forme? Ça va. Oh, ce travail d'équipe. Oh! Bon attends, elle est pas droite là, mais c'est vrai. Bon, ça peut lioter. Prends un peu de PQ au cas où. C'est beau, c'est beau. Tu mets là sur ta visière là. Prends une clé comme ça. C'est au tour des espoirs de s'élancer, donc on les attend. Ça a passé, donc il y a Jules et Enzo, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Qui est en tête du championnat là, qui se prépare à partir. Attention. La moitié de la banderole. C'est quoi la marque, tu m'as dit? Marshall. Marshall. Ouais, c'est bizarre. On arrive au moment le plus important de la journée. Donc Jules est à égalité de points en tête du championnat. Et là du coup Clément qui est un petit peu son rival du coup, que je connais aussi très bien, et bah, tout simplement ils sont à une seconde l'un de l'autre. Et donc celui qui terminera premier à cette dernière spéciale et bah, remportera le titre. Donc j'ai un peu le stress, je vous l'avoue. Et la particularité, c'est que voilà, en enduro, comme vous le savez, chacun part et a son chrono, donc c'est très difficile de se juger par rapport aux autres en cross. Donc là, on a le frère jumeau de Clément qui arrive là, donc tout le monde est stressé. Allez, allez! C'est 4,58 donc on sait pas ce que ça va donner. 4,58,24. Félicitations à Clément. Allez, 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 allez.
125 qui a été le plus passionnant, surtout pour cette finale du, avec les petites secondes de retard et les erreurs. Tu peux regarder les lunettes où je suis caché. Vas-y, 1 litre, 1 litre 5, 2 litres, 2 litres, 3 litres, 3 litres 5, ralenti, encore, 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 stop, encore un peu. C'est le mec qui croit que s'il y a 4 litres 0, 0, 1, ça marche plus. Faut plus que je coupe. Ça va, faut secouer plus fort que ça. Hein. De retour sur la moto avec Guigui. La 125. Voilà, petit instant détente. Je vais vous montrer la spéciale juste après, elle est vraiment pas mal. Bon, il suffisait qu'on dise un dernier tour pour qu'il se mette à pleuvoir. Et là, ça commence à pleuvoir, mais vraiment un tout petit peu. Mais bon, c'est toujours embêtant. Hop. Aussi, j'en profite pour vous dire, pour ceux qui sont intéressés, de savoir les coulisses du coup de Vol Brigade. Donc voilà, la marque, comment ça avance, qu'est-ce que je fais à ce propos-là, un petit peu, voir bah, tout ce que je fais que je vous montre pas. Et ben, on se retrouve du coup sur Twitter parce que c'est là que ça se passe. Du coup je vous donne quelques petites informations, je vous explique, je vous réponds aussi à vos questions parce que c'est important. Donc voilà, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont curieux, donc voilà, ça se passe sur Twitter si jamais vous êtes sur Twitter et que vous voulez avoir un peu plus d'infos à ce sujet là. Ouais mais c'est normal, faut qu'on passe. Et une fois qu'on sera passé un peu, on va rouler tous les deux là et ça va aller mieux. Juste là pour éviter de la vitesse, il faut glisser en fait. Ouais c'est normal. Mm-hmm.
Oh là, ça bombarde cet engin. Écoutez-moi ça. Il me regarde en mode est-ce qu'il m'a filmé ou pas? C'est un truc de fou, même à Paris Gym, ça t'arrache tout derrière, c'est un truc de fou. Une nouvelle fois, je le répète, en commentaire, parmi les commentaires à gagner, un produit Vol Brigade. Donc ce sera un t-shirt de la collection California. Donc allez-y et je tirerai au sort un commentaire. Donc voilà, et les résultats de la dernière vidéo sont du coup dans les commentaires. Dans la description, pardon. Alors ? Ça va, c'est cool. Les suspensions sont mieux en vrai. Ouais, les suspensions, c'est un truc de ouf, comment ça a changé. Depuis que j'ai fait préparer là. Sinon, ça bombarde ou pas ? Bon, ça fait mal au bras. C'est un truc de ouf quand tu pars, ça le machin. En fait. Bouah ! Faut être en sourire, sinon, enfin, sortir direct, je te lève. Ouais, c'est un truc de fou. L'adhérence que ça a, c'est quand même fou. Je pensais se prendre la pluie dans la tête, on voit pas, mais il pleut un petit peu. Et là, il commence à pleuvoir pas mal. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il gère 15 fois mieux en 50. Et si vous l'avez pas vu en 50 d'ailleurs, ben allez voir son Insta, Gigi Pro Racing. Comme ça se prononce, GUYGUYPRORACING. Bam! Bonne tournée! Voilà, il commence à rouler gentiment bien là. Voilà. Boom. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo du coup avec l'Enduro Kid et puis avec le frangin. Donc voilà, comme j'ai dit, laissez un commentaire. Qui sait, ça portera peut-être chance. Sur ce, ciao, bye, gaz et prenez soin de vous. Vas-y mec, go go go. On va la sauce. Yeah.